Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. On en a déjà parlé, mais j'aimerais que l'on revienne sur le sujet. Un sujet passionnant, exercé par des passionnés. On parle de la trappe. Alors, pour nous en parler, je reçois sûrement un des meilleurs trappeurs de chez nous, M. Gérard Plante. M. Gérard, bonsoir. Salut. M. Gérard Plante, c'est toujours un plaisir de vous recevoir parce que c'est comme on dit, je sais que vous êtes un excellent trappeur, puis on en a parlé, puis on va juste ouvrir une petite parenthèse, là. Ça fait combien de temps que vous trappez? Je sais que ça fait longtemps. J'ai 64, puis j'ai commencé à trapper à l'âge de 6 ans. De 6 ans? Oui, avec mon oncle. Fait que, est-ce qu'on peut dire que la trappe n'a pas de secret pour vous? Ah oui, il y a toujours des secrets. Il y a toujours des secrets. On prend tout le temps des trucs de d'autres trappeurs là, sur le site Trappeur Québec. Là. Oui, oui. Il y a tout le temps des petits trucs. Des fois, on pose des questions. Comment tu fais pour pogner ça l'hiver, toi, puis telle bébite. Puis là, il donne des trucs. Ça, on apprend. On apprend tous les jours. Quand on va dans des conventions, on apprend aussi. Puis... Une chose, c'est sûr que, bon, quand on parle de là, 50, quelques années passées, mais si on remonte juste peut-être, mettons, disons, à peut-être 4 ou 5 décennies, une quarantaine d'années passées, la trappe, ce n'est plus pareil. Non, non. Dans le sens que les manières ont changé, de gros changements aussi dans les pièges. Mm-hmm. Avant ça, je sais que vous m'en avez déjà parlé, puis quand on va dans les salons du camping, on en entend parler aussi beaucoup. Avant ça, c'était un peu cruel, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Western, on est basé sur le trappage humanitaire. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Trappage humanitaire, oui, ça, c'est bien important auprès des rétracteurs. Là. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de collets. Les pièges ont tous des coussinets de robert après les lames. Ils ont tous des viroles pour pas que quand ils se pognent, là, oui. Les autres avant ça, là, les pièges ne viraient pas, tu sais, ça tout tordait ensemble, puis à un moment donné, ça coupait, pas qu'il partait, là, c'est à couper, tu sais, là, ce qu'on sait, ça, oh, oui, c'était à l'enfer avant ça. Il souffrait beaucoup. Il souffrait beaucoup, puis après ça, bien souvent, il mourait. OK. Il mourait dans le bois, des fois, il n'était pas capable de survivre à ça. C'était trop faible pour chasser, puis... Est-ce que, au point de vue gouvernemental, est-ce que vous êtes régi pour le genre de piège selon l'animal trappé? Oui. Dans le sens que vous ne pouvez pas mettre n'importe quel piège pour la loutre, la marthe, le castor. Oui. C'est régi, ça? Oui. Depuis, mettons, je dirais une dizaine d'années, 10-12 ans, là, c'est des pièges, ça prend les pièges certifiés. Des okay. pièges certifiés, mettons, des petits 120 pour la marthe. Avant ça, c'était des petits 120 pas forts, là. Je sais pas, il y a le vison, la marthe là-dedans, puis ben, c'était pas assez fort. Ça ne tuait pas instantanément. À okay. cette heure, c'est tout des mâchoires doubles, puis les ressorts sont plus raides. Puis quand il était en bonne place, là, pour qu'il se pogne à la bonne place, en arrière du cou, là, c'est sûr qu'il y en a qui manquent le cou, puis ils mettent les broches trop larges, la bébite rentre trop loin dans le piège, elle se pogne par le ventre. Là, elle souffre. Pour pas se faire d'idée, elle souffre. Okay. Mais quand tu sais comment étendre, juste à la bonne levée, à la bonne chauffe, qu'elle rentre dans le piège, elle déclenche, elle, fuck, ça pète. Bien souvent, il reste direct dans le bois, il ne grouille même pas. Ça les assomme, ça lui fait perdre connaissance, puis après, c'est mort. Fait que ça veut dire que quand on regarde tout ça, les pièges, vous les achetez à quel endroit? À quels endroits les pièges? Où ils achètent de la fourrure. Ah, OK. Puis, mettons, les compagnies d'Ancan, ils en vendent. Nafa, Tsunby. Et des anciens pièges, tu sais, des pièges, là, comme vous parlez, là, que pouvait faire arracher une patte. Ça, là, ça n'existe plus. On n'a plus de droit. On a droit, mettons, aux pièges, les anciens pièges à patte pour le castor, la loutre, mais avec un système de noyade. Ça prend un système de noyade avec une équerre après le piège, une broche qui va aller au bout d'une torche dans le creek. Ça prend au moins 4-5 pieds d'eau. Là, l'animal, il se poigne, il se jette à l'eau. L'équerre l'emmène dans le fond, il vient pour remonter. Bon, il puis capable. Fait que là, il se noie. C'est juste cette façon-là qu'on a de voir au vieux pierre. OK. C'est parce que c'est... Mais j'aime ce que vous m'avez dit tantôt, là, de façon humanitaire. Oui, oui, oui. Parce que ça a beau être un animal, mais... Ah non, hey.
Pourquoi le faire souffrir? Ah non, quand tu arrives, puis il reste un petit bout de patte, puis il te regarde, puis il carafe partout. Pis le stress de l'animal aussi, on compte beaucoup sur le stress de l'animal. OK. Pour arriver là, puis tu vois un animal qui est pris, là. Ah, moi, le poser, puis c'est beau, venez voir ça, venez voir ça. Non, non. Le plus rapidement possible, tu arrives, tu le vois, tu prends ta carabine. On en finit avec. Pas qu'il y ait de stress en plus. Les codecs, là, on repassera. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on parle des saisons de piégeage. Parce que c'est quand même différent, pas mal, mais on s'aperçoit que l'ouverture est toujours la même ouverture le 18 octobre. Ouais, mais c'est la fermeture. Comme on prend le loup, le coyote, le renard, la marthe, le pékin, la belette, ça, c'est du 18 octobre au 1er mars. Au 1er mars. Ouais. Mais il y a deux exceptions. OK, oui. Oui. L'exception, c'est le... Je ne vais pas me tromper, là. Le castor, lui, il va juste... Il roule toujours le 18 octobre. Il termine le 22 mars. Pourquoi la différence de quasiment trois semaines? C'est parce qu'il est en dessous de la glace. Ah, il ne magane pas sa fourrure. Tandis que les canidés, là, c'est ici, commencent à s'accoupler. OK. Fait qu'ils viennent, qu'ils ont plus de poils. Et quand ils commencent à faire chaud un peu, là, ils se mettent dans la neige, ils se lèvent, le poil reste dans la neige. Fait que la qualité de la fourrure abaisse beaucoup. Tandis que le castor, lui, là, on pourrait dire que. Allez, il est ouvert jusqu'au 22 mars, mais le castor, là, en dessous de la glace, il est bon jusqu'à la fin d'avril. On n'a pas le droit. Le 22 mars, c'est fini. Puis la loutre est pareil. La loutre puis le castor, c'est jusqu'au 22 mars. OK. Parce que les autres sont en dessous de la glace. Puis il y en a deux autres aussi, là, qui se trappe plus tard un peu aussi. Oui. Le rat musqué, oui. Elle va se terminer le 15 de mai. Mais avec le nouveau plan d'aménagement qu'on a eu, là, plan d'aménagement du piégeur là, qui va finir en 25. Okay. Avant ça, ils vont faire une autre étude après ça. Mm-hmm. Le rat musqué, lui, c'est jusqu'au 21 avril à cette heure. Okay. Ça fait que nous, à l'eau claire, là, on ne passe plus à ça le 21 avril. Les glaces ne sont pas parties. Là, ça fait qu'au 15 de mai, on avait le temps d'empoigner. Okay. Tu sais, c'est à l'eau claire, sur les bio puis ça, les manières de pêcher. Ça fait que ça, c'est le rat musqué puis le vison. Le vison, c'est à la même place que la loutre. Ah, OK. Oui. OK. Puis le rat musqué, tu peux pogner ça à la cage sous-marine. Ah, okay. Ouais, c'est une cage sous-marine, c'est une grosse cage faite en grillage, c'est long de même. Puis c'est, aux deux bouts, c'est deux entonnoirs qui roulent. Puis c'est avec un grand trou pour rentrer, grand de même, mais ça finit en entonnoir. Lui, on met une gourde par-dessus ça dans le creek, quand c'est pas là, le rat musqué s'en vient. Lui aussi, il plonge. Hein. Tu mets une gourde par-dessus, il plonge, il rentre dans l'entonnoir. Il rentre en dedans, puis il est capable de sortir parce qu'il y a des panneaux. Puis là, il se noie. Il se noie. Pareil comme si je pouvais prendre un pierre, puis il tomberait à l'eau. Il se noie, ça ne prend pas de temps. OK. Ouais. Puis ça, c'est ouvert jusqu'au 31 décembre. C'est 18 octobre, 31 décembre. Après ça, on n'a plus de doigts. Ça veut dire que la saison de piégeage, peu importe, ça débute le 18 octobre tout pour le temps. Tout. C'est ça. Puis ça se ferme à différentes dates. C'est ça, à différentes dates. Il faut avoir les dates, là. Non, mais je veux dire, ils se ferment à différentes dates, comme là, on les a nommées premièrement. Ça se ferme. Mais ce qui veut dire que le dernier qui se ferme, c'est en décembre. Après ça, le piégeage est fini. Ouais. Non, le premier qui se ferme, c'est en décembre, c'est le rat musqué, mais après ça, ça va jusqu'au 1er mars. OK. Puis le 22 mars pour la loutre puis le castor. OK, ça veut dire que on prend l'exemple là, du loup puis le coyote, là, du 18 octobre au 1er mars. Fait que ça veut dire que partir du 2 mars, ça allait jusqu'au 18 octobre. Au 18 octobre de l'an prochain. Tu n'as pas le droit. Tu n'as plus le droit. OK. Fait que ça veut dire que vous avez une saison de trappe. Oui. C'est-tu assez? Oui, en masse. Non, oui, la fourrure n'est pas bonne après ça. Ah, OK. Non. Le cuir vient rouge, le poil est moins beau, comme le castor. Tous les animaux font le fourrure d'hiver. Ah oui. Parce que de l'été, ça mue. Puis ils n'ont pas de poils de garde. Il y a une petite poêle là, qui est dans le fond, là, qui les empêche du fret, eux autres-là. Là. Ça prend ce poil-là pour faire une belle fourrure. Mathieu. Fait que ça veut dire qu'au printemps, quand on parle, là, passé le mois d'avril, il n'y a plus de saison de trappe parce que la fourrure n'est plus belle. Sauf l'ours. L'ours, on va en parler aussi. L'ours, il dure plus longtemps, lui. OK. Ouais. Mais c'est uniquement dû à la fourrure surtout, c'est ça. Qui n'est pas belle. Qui n'est pas belle. Ça ne vaut rien. En plus, ça ne vaut pas grand-chose, mais si elle n'est pas mature, si elle n'est pas bonne,
tu plumes ça pour rien. Oui, exactement. Ils ne vendront pas. Le prix des fourrures, actuellement, je sais qu'on en a parlé déjà, mais ça, est-ce que ça varie beaucoup, comme si on parle l'an dernier, disons, versus cette année? Vous en avez vendu cette année, probablement? Non, pas encore. Non, pas encore? J'attends de faire mes castors, ben ça, je vends tout ça. OK. Les renards, les coyotes, les... Bon, tout ça. On dit, vous me dites, j'attends, après ça, là, je vais aller vendre ça. Oui. Vous allez où? Vous procédez comment? La plupart vendent aux encans. Qui sont? Les maisons d'encans, c'est, mettons, anciennement Hudson Bay. Oui, Hudson okay, Bay Company, oui. Mais la star, c'est ça s'appelle NAFA. Puis ils sont situés où, eux autres? Eux autres sont à Toronto. Fait que là, est-ce que vous partiez non. avec vos fourrures? Non. Il y a des distributeurs qui passent. Il y a des ramasseurs pour eux autres qui passent. Comme nous autres, c'est un gars d'Amos qui vient. OK. Il vient tout ramasser pour eux. Mettons, ils se ramassent au village de Mont-Repas, là, ça. Tous les trappeurs vont mettre leurs fourrures là, dans des grosses poches de blanches en jute, là. OK. Mettre tes fourrures là-dedans, mettre un sticker, envoyer ça, puis ça te revient. Est-ce que le prix est bon? Non, le prix n'est pas bon. Il y a à peu près le coyote qui a remonté un peu. Okay. Le coyote qui est bon pour ça, puis la marte pour le ça, il n'y a pas grand-chose qui est bon. Parce que je parle avec différents trappeurs dont vous, ouais. puis Claude Morin, entre autres, ouais. M. Gauthier, Claude Gauthier. Oh, oui. Bon, puis ils me disent, tout le monde me dit, non, la fourrure n'est pas bonne, je veux dire, le prix n'est pas bon. Fait que ça veut dire que pour vous autres, c'est une passion c'est pareil. C'est une passion, c'est ça. C'est juste d'aller dans la nature, puis quand on paye une bête, ah, je l'ai eu, puis ouais. C'est une fierté personnelle. Ouais, c'est de s'appliquer pour essayer d'attraper, là, ouais. Parce que ça fait plusieurs fois que je pose cette question-là, puis même l'an passé, puis il y a 2 ans, puis il y a 3 ans. Qu'est-ce qui a fait que la fourrure, le prix, a baissé tant que ça? D'abord, ça fait combien de temps que le prix... Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans? Ah oh, oui. Quand Brigitte Bardot commençait à... Oui, oui, exactement, avec ses focs, tout puis, ça, oh, puis la, oui, la ça, trappe, oui. puis tout ça. Oui. Aux États-Unis aussi... Il y a des femmes, mettons, au début, quand ça a commencé, les femmes qui se promenaient dans le métro, mettons, avec un manteau de fourrure, là, les détracteurs, il y avait du monde de pays qui se préparait pour faire les détracteurs. Puis il y a des exactos, ils allaient tout couper le manteau aux femmes, direct là, dans le métro. Puis, fait que personne n'osait en mettre, fait que personne n'osait en acheter. Ça fait qu'à un moment donné, la fourrure, ça s'est vendu moins. Puis ça va avec ça va aussi avec dans les pays européens. À ce temps, il y a à peu près juste la Russie et la Chine qui l'achètent. Okay. Ça va être la mode. Si la mode d'une année est aux coyotes, bon, ben là, ça va être bon pour 3-4 ans, là, ils sont fous de coyotes, là, ils n'achètent du coyote. Mais à part de ça, là, comme anciennement, en Russie, là, tous les chapeaux tu voyais ça comme ici, la gendarmerie royale, là, oui, les okay. gros chapeaux de fourrure. Oui, de fourrure, oui, ça, oui, oui, oui. Puis les toges des tsars, oui, oui. eux autres, c'était fait en loutre. À ça, ils ont décidé qu'ils faisaient plus ça en loutre, ça fait que la loutre a tombé, là aussi. Ben, avant ça, la loutre, c'était payant. Tu sais, il en prenait beaucoup de l'autre. Okay. Toutes des appartements, des petites affaires qui font que la fourrure vaut moins. Mais en général, disons que c'est beaucoup plus un sport. Un sport, oui. C'est un sport parce que je sais que moi, j'en connais des trappeurs, dont vous, entre autres, puis bon, les autres que j'ai nommés tantôt, puis d'autres trappeurs que j'ai rencontrés aussi. Puis il n'y a personne qui dit, moi, je trappe pour vivre. Non, non. Non, faut pas compter nos dépenses parce qu'à la fin, on n'arriverait pas, on n'aurait pas un gros salaire. Quand tu as vendu pour 4000 pièces de fourrure, là, 5000, il faut que tu en aies poigné pas mal de la fourrure. Fait compte tes dépenses. Là, au moment où l'on se parle, là, on est à la fin janvier. Là. Ouais. Vos récoltes sont où actuellement? Parce que, bon, que ce soit du castor, de la loutre ou de la marte, vous les avez, les pots sont là. Ouais. Vous en faites quoi avant des ventes, là, pour pas qu'ils se brisent? Ah, moi, c'est les canidés, là. Oui. Moi, j'ai les plumes à mesure. OK. Je les arrange tout de suite, sèches, puis je mets ça dans mon garage, on prête à chiper. Tandis que le castor, lui, c'est trop d'ouvrage, là. Arriver 15-20 castors le soir, plumer ça, les bouler, tout ça, je passerai la nuit, là. Okay. Je fais juste les plumer. Ah, OK. Là, j'y roule, cuire à l'intérieur, fourrure à l'extérieur, mets ça dans un sac à pain, mets ça dans mon congélateur, dans ma cabane de trappe. Puis là, m'a commencé, là, milieu février, là, a commencé à les faire dégeler tranquillement, 10-12 par jour, puis les gratter, puis les mouler, les faire sécher, puis après ça, ils vont être prêts. Mais j'ai tout fait. Mais vos autres fourrures, là, actuellement, là, est-ce qu'ils sont exposés à l'air libre? Oui, oui, oui.
OK. Après, c'est sec, il n'y a pas de problème, t'es bon pour. Ça sera bon jusqu'à cet été, là. Ouais. Puis est-ce Quand il n'y a que pas de chaleur, là. avant des acheter, l'acheteur là, que vous aviez parlé tantôt, est-ce qu'avant des acheter, il y a une vérification qui se fait pour la qualité? Eux autres? Oui. Ah, très bien. Il y a des, comment ils appellent ça, eux autres-là, là, Des des examinateurs ou je sais pas oui, eux quoi. autres, là, les enquêtes arrivent, là, puis ils sont plusieurs gangs, là. Toutes les fourrures sont à table. Eux autres, ils savent, hein. Bon, touche un peu, castor, OK, lui, vaut tant. Ah oui. Oui, un endommagé, un pas bon, un très bon, un bon, et c'est pas long, eux autres, là, tout de suite. Leur nord, c'est pareil. À ce pour ça, rayon X, laser, ils voient s'il a été coupé sur le cousu. Ah oui. Oh oui, ils vont être, s'il y a trop un gros trou, là, puis on se dit, oui, qu'il y a un cousu trop long, là, ils vont le voir au rayon X. Hop, ah, lui, il est endommagé. Tandis qu'il n'y a rien, là, ils mettent d'un beau. C'est pour ça que des fois, il y en a qui arrivent, puis ils pensent que, moi, ça, j'appartiens, mon loup, il n'a pas pensé qu'il était peut-être magané, puis les autres, ils l'ont classé, pas bon. C'est assez spécial, comme on dit, réellement. Oui, Monsieur Gérard, on va parler du lynx. Est-ce que on parle de l'Abitibi, Témiscamingue, mais on parle surtout ici, dans notre coin de région, Abitibi-Ouest en particulier. Le lynx, est-ce qu'il y en a beaucoup? C'est par secteur. Plus tu vas avoir de lièvres, plus tu vas avoir de lynx. OK. C'est ça. Ils suivent le lièvre. Ça fait qu'un lynx mange un lièvre aux 2 jours. Ça fait que quelqu'un qui n'a pas de lièvre, là, ils ont bien beau se pogner des écureuils, des perdrix. C'est plus dur à pogner une Oui, il y a perdrix, ça, hein. oui. Puis, Oui. mais ils en pognent pareil, là. Mais le lièvre, eux autres, c'est leur proie favorite, là, c'est un lièvre aux 2 jours. Ça fait que, mettons qu'il y a une famille, 3 petits, puis la mère. Parce que le père, lui, bien souvent, il n'est pas avec la Ah, famille, non. OK. Lui, il fait se couper, après, il s'en va tout seul. OK. Des fois, puis il revient plus tard, puis. Mais ça pogne, t'as 4 lynx ensemble, là, ça fait 4 lièvres aux 8 lièvres aux 2 jours. Est-ce Fait que que ça baisse vite la population de lièvres aussi. Actuellement, là, 2018-2019, là, on est dans la hausse des lynx. Est-ce Ouais. qu'on est là, disons, là, c'est une bonne période pour les lynx? Ouais, c'est le pic, là. Là, Oui, c'est le OK. pic du lynx, là. OK. Ouais, là, il peut commencer à baisser après. En plus que, avant ça, on avait jusqu'au 18 décembre. 18 octobre, 18 décembre, attraper le lynx. Avec le nouveau remaniement là, de la OK, loi, là, oui. on a jusqu'au 1er mars. Ah, Puis OK. s'il y a des trappeurs qui ambitionnent, qui en pognent, hein, moi j'en pogne, quand j'en pogne, si, ouais, jusqu'au 1er mars, mais là, dans 2 ans, il n'y aura plus de lynx. Ah oui. Fait que c'est pour ça, d'autres qu'on dit dans notre association, nos assemblées, limitez-vous à 3, 4, comme vous faisiez. Là. Avant ça, on avait droit à 2, mais limitez-vous à 3, 4. Puis le biologiste, il m'a repris. Après, il dit oui, c'est vrai de ça, j'avais oublié de dire. Ben, c'est bon de dire aux trappeurs de se limiter parce que c'est une race qui est très fragile. Une question même, parce que quand ça a l'air d'un gros chat, là, tout simplement, mais est-ce que le lynx, c'est un animal malin? Non, aucunement. Ça n'a aucun malice. Ça n'a pas peur l'humain, premièrement, OK. à Noé. Ça va te regarder, ça va passer à 3 pieds de toi, ils vont te regarder, ils vont continuer le chemin. Ça attaque pas personne, jamais, jamais. Mais c'est pas peureux. Puis c'est pas malin, c'est pas dangereux. Ça veut dire que tu peux passer, tu peux l'approcher, puis il va s'en aller. Ah oui, il va s'en aller. Même si arrivé, moi, quand je travaillais pour le ministère, là, j'en ai vu souvent des lynx dans le bout de la selle, tout ça, avec des petits, là. Je débarquais, les petits, qui venaient quasiment boire. La mère, elle restait dans le bois, puis elle miaulait. Elle appelait, puis elle appelait. Elle paraît comme OK. un chou, c'était pas. Elle c'était un chat qui Mais miaulait. elle vous a Puis, pas attaqué. pas tout jamais. Ah non, non. Parce qu'il y en a qui disaient souvent que le Ah lynx, non, non, il non. attaque, c'est un gros chat malin, puis Pas tout. Pas tout, aucunement. est-ce que sa fourrure est bonne? Ouais. Oh, oui, bon, le lynx. Un lynx, c'est peut-être, là, 20 ans, je te disais, il valait peut-être 400, 500 pièces. Eh mon Dieu, oui, OK. Mais Puis à cette heure, aujourd'hui, il là, vaut 100 quoi? pièces. 100? Un beau lynx, hein? 125 gros max, ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas En avez-vous ambitionner pris pour beaucoup cette année? ce n'est aucun. Aucun Non. lynx. Ça, L'avez-vous tu trappé? sais, quand tu dis que ça ne marche pas, là. Un lynx, ça, c'est assez futé, par exemple. C'est pas futé, ça n'a pas peur de rien. Mais il va avoir un collet, s'il est trop grand, s'il n'est pas assez haut, c'est un collet à coyote. Ça faut le mettre plus haut un peu. Hein. Puis l'hiver, quand il commence à avoir de la neige, il faut mettre une branche par-dessus pour qu'il se penche la tête qui rentre dedans. Sans ça, là, les lynx, bien souvent, là, je ne sais pas comment ça fait, ils rentrent la patte dedans, ils se faufilent dedans. Ils passent dans le collet puis ils ne dérangent même pas. Tu vois, les pistes sont dedans, là. Ah oui, un lynx, il y a plusieurs trappeurs qui m'ont dit cette année. Moi, tout cette année, ça ne marchait pas, ils passaient à travers des collets.
Pour moi, ils ont été à l'école, quelque chose. Il Ça y a pas été à d'allure. Oui, apprendre. parce qu'il y en a du linge. Oui. Puis là, il y a neigé gros aussi. Hein. Oui, il y a À toutes ça. les fois, vous allez, puis il avait tombé 6 pouces de neige, bon, j'avais posé un linge. Ah. Le collet était à moitié. Il posait par-dessus le collet. Là, il posait par-dessus le collet. Comme Trop de neige. dernièrement, là, je suis allé lever ça encore cette semaine, il en m'en restait, là. Il posait un beau gros linge, par-dessus deux collets. Mais... Puis, Ils vont être là. envoyez-vous quand vous Bon, allez c'est dans le bois. rond. C'est très rare qu'on voit ça, un lynx. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que moi Non, dans ma vie, je pense que c'est j'en ai rare. vu un. C'est quand tu fais beaucoup de machines dans le bois, mettons, tu montes sur le 20 000, là. Hop, tu vas avoir un traversé, hein, pas le même, là. Mais pour dire, tu te promener dans le bois, voir un lynx, je n'ai jamais vu de rencontrer, moi, en Puis marchant dans le bois. Dieu sait si vous n'avez Ah, marché ben oui, c'est dans le ça. bois. Tout le temps dans le bois. Ouais, oh, c'est rare que tu vois ça. C'est rare que tu vois ça, des bébites, là, dans le bois. L'accouplement du lynx, ça coupe le camp. T'as vu, moi, dire ça? Bien sûr, pour pas que je dise n'importe quoi, là. L'accouplement, c'est en mars. OK. Mars et avril, Ouais. OK. Eux autres, ils n'ont pas d'implantation différée, là. La naissance des petits sont la mi-mai. OK. Ouais. Ils accompagnent leur mère jusqu'à la fin de l'hiver suivant. Elle lui montre comment chasser, tout ça, OK. jusqu'à l'hiver suivant. Après l'hiver, quand elle va avoir ses autres petits, là, boum, eux autres vont partir, elle va les chasser. Ouais, elle peut en avoir quatre, une portée de quatre. Ouais. OK. Puis, quand ici, dans les notes que vous m'avez données, ici, là, abondance en rapport avec Oui. le lièvre, cycle de 7 ans. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que. Ils disaient ça avant, c'est un cycle de 7 ans, puis je pense qu'ils commencent à changer d'idée, là, les biologistes, là. C'est plus des cycles. Si il y a gros du lynx, s'il y a gros du lièvre, il y a gros du lynx, mais à un moment donné, le lynx mange le lièvre, à un moment, le lièvre baisse. Bon, mais le lynx va baisser aussi, parce que si un caque est enceinte, là, si elle a pas assez de nourriture, elle est pas assez forte, là, ben, elle va avorter au lieu d'avoir des petits. Si elle a Okay. abondance de nourriture, elle va avoir tous ses petits, elle peut en avoir jusqu'à 4. C'est ça qui arrive. Ça, c'est. On a déjà entendu dire, peut-être une légende urbaine, je ne sais pas, on est peut-être, mais on a entendu dire déjà que le lièvre avait des cycles où il ne fallait pas en manger, parce qu'il n'était peut-être pas si Ça, bon que ça. Non, j'ai je ne sais jamais pas. entendu parler de Non. ça. Ça peut Fait arriver, que mais c'est. j'ai jamais entendu parler de ça, non. Puis Je pour dirais que vous. non, moi. Vous, est-ce que vous en consommez Oui. beaucoup Oui, du d'animaux lièvre. sauvages en Oui. général, là? Le lynx, le castor. Le lynx est très bon, soit Oui, dit en oui, passant, parce oui. que on avait goûté à ça à un salon OK. de chasse et pêche. On avait goûté Ah. à du lynx, de l'ours, Oui. du castor, puis un autre que je ne me Oui. souviens pas, là. Puis le lynx, une viande blanche. Ah ben oui, Puis, ça ressemble un peu au porc. oui, Ouais. exactement, c'est ça. Puis c'est très, très, très bon. C'est tentant. Dans les viandes sauvages, laquelle que vous préférez le C'est plus? le lynx, là. Oui. Mais le castor, là, bien préparé, là, avec une bonne recette, là. Faut pas tasser de faire cuire une cuisse de castor comme un rôti de bœuf, là. Juste un petit peu d'oignon, tout ça. Oui. Ça prend toutes sortes d'ingrédients, là, pour enlever un peu le goût Ben, fort du c'est parce castor. que c'est Parce que gras, c'est hein, le vraiment castor. bon. Oui, mais tu le dégraisses avant. OK. Quand tu le plumes, là, quand tu veux garder la viande, là, c'est OK. une couche de gras, tu fais juste la couper. Puis il reste une belle cuisse comme ce serait une cuisse de poulet. Plus de gras dessus, pas tout, là. Ouais. Mon Puis il y a Dieu. l'ours, il faut faire attention. L'ours, il y a une bactérie, là. Je me OK. souviens plus du nom exact, là. Il y a une bactérie dans toutes les ours. Faut qu'elle soit cuit, 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 l'ours. Dans mourir, ça. Ça, Puis là, le nous. rebusquer aussi. Le rebusquer se mange. OK. Mais quand même. Vu que vous ouvrez une porte, là, on va en parler de l'ours, parce que j'aimerais en parler. Vous qui êtes dans le bois très souvent, autant l'été, l'automne, après, vous avez les quatre saisons où vous êtes dans le bois. Ouais. Est-il vrai qu'il y en a vraiment beaucoup plus Ah oui. qu'il y en avait déjà? Est-ce Oui. que c'est dû qu'ils ont coupé une chasse? Ouais. Ils ont coupé. C'est parce qu'ils ont coupé sur la trappe. Après ça, il n'y avait pas de quota pour l'ours. Un bon trappeur d'ours, il peut poigner 25-30 ours le Oh printemps, mon Dieu, OK. puis l'automne, avec OK. l'automne. OK. Parce qu'on a droit à 2 ours. Ça fait que, oui, on ne veut plus savoir, puis il y en a d'ours. Il y en a beaucoup d'ours. On n'en voit pas plus, mais il y en a Les beaucoup gens ont plus. tendance à Ouais. avoir peur de l'ours. Non, ben, c'est un animal imprévisible. Ouais, c'est ça, Faut hein? pas que tu l'agaces, tu sais. C'est pas un petit chat, celui-là. Un ours, là, tu le rencontres, puis il se lève debout, là. Faut pas que tu dis, hey, va-t'en, puis non, tu grouilles pas, puis Ouais, si tu fais quoi envie, dans ce temps-là, si justement? en, tu grouilles pas, tu attends, tu le fixes pas dans les yeux. Pas le provoquer. Ah, OK. Fait que là, tu grouilles pas, lui, tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire. Si là, il commence à vouloir avancer vers toi, là, parce qu'il a fait de l'ibabine,
Là, tu peux commencer à gesticuler un peu. Tu gesticules, puis tu cries. Il va peut-être avoir peur. Parce qu'il y en a qui m'ont raconté des fois que l'ours a ça, là, les babines, puis il faut pas de tigrouille, puis il retourne d'abord. C'est juste à partir des fois. L'histoire de Falmore, ça va être correct. Ah non, non, je te le laisse. Non, tu vas te faire brosser en maudit. Tu m'as fait penser. Si je décide de partir avec toi pareil, là, alors, il est arrivé des cas des cas que des personnes sont attaquées par les ours, là, mais c'est bien rare. C'est ça. Si tu Justement. n'arrives pas dessus, parce qu'il va t'entendre, lui, puis il va s'en aller. Puis surtout si t'es pas entre Non, la c'est. mère et les Ah, petits. c'est dangereux, ça. Parce que Ça, c'est ça, c'est sûr. dangereux, Ouais. mais c'est parce que des fois, tu peux pas le savoir non plus si Ben les petits sont non. là. Ouais. C'est ça, ou tu vois des petits. Habituellement, si tu vois des petits, tu peux dire la mère est pas Ah, loin, là. mais oui, il n'est pas loin, ça, de Mais tu peux voir la mère, puis tu vois pas les petits Ah aussi, oui. là. C'est ça Ouais. là, qui arrive. Parce que si on parle de l'ours, j'ai ici là, un article qui dit « La viande d'ours noir fait de plus en plus d'adeptes. » On dit que l'an passé, au Québec, il y a 6 500 bêtes abattues pour être dégustées. Tabarouette. Ça veut dire qu'il y en a Oh beaucoup. oui. Fait que ça veut dire que c'est de plus en plus Ouais. aimé. Probablement qu'avant ça, les gens n'osaient pas, peut-être, y goûter. Ouais, ça se peut aussi, hein. Le monde est. On avait dit que le monde, avant ça, c'était la viande sauvage, le monde était plus dédaigneux. Ah, et nous, ça mange le chorin, ça mange toutes sortes Ouais, c'est ça, d'affaires, oui. puis ouais. Parce que l'ours, c'est pas pire qu'un autre. Là, Parce je veux que dire, c'est omnivore, là. au salon que je vous parle, là, que j'avais goûté à du lynx puis tout ça, on avait goûté à de l'ours aussi. OK. Puis j'avais trouvé ça quand Oh oui. même, j'avais Quand trouvé c'est ça une bien bonne viande. apprêté, là. Moi, je vais dire, j'ai jamais mangé de l'ours, j'ai dédain un peu, là. Comme les d'autres disent, là. Mais, mon gars, mon neveu, moi, là, et lui, il fait de tout. Il OK. fait du linge, il fait du castor, de Il y a l'ours. une chose qu'on a parlé il y a quelques jours, tous les deux, puis vous avez tellement été surpris, parce qu'il reste à peine 2 minutes. OK. Okay? L'odorat de l'ours. Moi, je suis beaucoup, beaucoup les montagnards à Historia. Puis, il y a un montagnard qui disait que l'odorat de l'ours pouvait atteindre 30 km. Vous avez resté très surpris Ben de ça, oui, je parce que reste. c'est quand même loin, 30 km, c'est 20 000. Ben oui, c'est ça, j'étais allé. Justement, j'étais allé voir. OK, oui. Puis, effectivement. Ah, c'est vrai Ben aussi? oui, cinq fois, l'odorat, cinq fois plus puissant qu'un canidé. OK. Puis, il y a un canidé, tu sais Oui, que. c'est. Hein, Parce que, pour en tout cas, hey, lui, 30 km, c'est quand même hey, de c'est ma loin. Camique à Dupuis, Ben là. oui. Mais là, oui, c'est ça. C'est loin. C'est, tu sais, peut-être des affaires. Il disait aussi que c'est peut-être pour la reproduction, là. La bête est en chaleur, ça, ils Aussi. sentent ça Ah, plus peut-être loin qu'ils sentent ça que plus loin. peut-être une nourriture, là. Ouais, ça, par Une exemple, parce nourriture en qu'il n'y avait pas décomposition, là, spécifié, que, les c'est autres, là. ça, ouais. Ben, il disait ça, là, que c'est ça, pour le quand c'est le temps de l'accouplement, là, ils vont loin. Vraiment. Ouais. Monsieur Gérard, merci beaucoup. C'est déjà Ben terminé. oui. Moi, ça me passionne. Puis j'aime ça faire ça avec vous parce que vous êtes un passionné de la Ah trappe oui, j'aime ça. également. Fait que on va sûrement se revoir et s'en reparler. Oui. On va vous souhaiter pour l'an prochain une bonne saison de trappe encore. Puis beaucoup de belles peaux. Ouais. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie, Monsieur Gérard. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission. Donc, on s'en parle. Au revoir et bonne semaine.